Nang's Reborn. Wow. Bonjour Reborn, bienvenue. Je viens de voir une vidéo sur le net où on voit une fille en train de faire comme si elle était devenue folle. On nous dit que elle a été utilisée pour des rituels. Selon les gens, des jeunes Bouddha ou Yahoo Boy l'ont utilisé et après ils sont venus la déposer sur la route. Résultat, c'est qu'elle a commencé à manifester des signes de folie. Venez voir. Venez, vous allez voir ça. Hein? Parce que ça, c'est mon rituel. Vous voyez ça? Vous regardez vous-même à l'écran. La fille a commencé à se déshabiller dans tous les sens, comme elle se trouvait à la plage, alors que c'est en pleine route. Et ça a été filmé. Regardez. Names Reborn. Est-ce que c'est un type pour faire le buzz? Oh, elle est meilleure. Names Reborn. Est-ce que vous en rendez compte? Imaginez, vous mettez un enfant au monde, vous espérez que votre enfant ait plein de succès dans sa vie. Et votre enfant se retrouve dans les mains de mauvais amis. Et ces mauvais amis nous ouvrent les yeux sur les belles choses de ce monde. Et comment faire pour obtenir tout ça? Et voici que ses amis vont l'amener à se frotter aux gens, aux jeunes gens qui ont l'argent, qui ont les moyens. Et on lui dit par exemple, si tu le suis, tu auras le tout dernier iPhone sorti. Et voici que ces jeunes filles vont le suivre et le résultat sera là. Elles seront utilisées pour remplacer l'argent qu'elles sont en train de bouffer. L'argent du rituel. Selon ce que les gens ont dit, que ces jeunes filles ont l'habitude de fréquenter les hommes classe, les jeunes gens classe, les gens qui ont les Mercedes-Benz, toute dernière génération. Après, c'est une bonne chose d'avoir un esprit éveillé et de désirer de bonnes choses dans sa vie. Tout le monde aime les bonnes choses. Mais le truc, c'est que dehors, la vie n'est plus comme avant. Il y a des serviteurs du diable, vraiment des serviteurs du diable, qui utilisent les filles pour faire des choses bizarres. Juste là, on ne sait pas si cette vidéo est un montage ou bien c'est réel, mais il y a des rituels qui ont lieu quand même et les gens sont enlevés chaque jour dans le monde pour faire des sacrifices à Satan. Vu que nous devons vraiment veiller sur nos enfants, nous devons veiller sur nos jeunes soeurs. C'est vraiment grave. Regardez de vous. Si on ne les jette pas en pleine circulation comme ça, c'est dans les poubelles qu'on les retrouve. J'ai vu une vidéo du même type où j'ai vu une jeune fille qui était carrément assise au bon milieu de la poubelle, quoi. Vous voyez les poubelles en Afrique, c'est dispersé comme ça, il y a un espace, il y a une zone où il y a carrément les déchets, tout est dispersé comme ça. Et les gens, ils y viennent pour déposer leurs résidus. Et c'est dans ces genres d'endroits qu'on a retrouvé la fille. C'est vraiment étrange la vie.
À qui appartient cette fille maintenant? À qui appartient cette fille? Les gens chercheront forcément à retrouver ses parents. Vu la manière dont la vidéo est allée circuler sur Internet, c'est sûr que si ses parents sont connectés eux aussi, ils vont avoir accès à toutes ces images que nous sommes en train de voir ici. Vous voyez ça? Ah, vraiment, la vie. La vie. La vie. La jeune fille d'aujourd'hui. Venez, j'ai un conseil à vous donner. Les jeunes filles, les jeunes filles. Tout ce que je peux vous dire, vraiment, soyez faute. Soyez vraiment faute. Parce que la plupart, c'est la pauvreté qui amène les jeunes à des trucs bizarres, souvent. C'est vrai, il y a la convoitise, il y a les gens qui... Il y a les filles qui veulent devenir comme les stars, les célébrités, tout ce qu'on connaît, mais nous savons qu'il y a la pauvreté aussi. Quand vous n'avez pas les moyens d'avoir quelque chose, il ne faut pas aussi chercher à tendre sa main jusqu'à là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, toi, tu es censé être à l'école. Cette jeune fille, elle est censée être à l'école, non? Mais elle est là. À l'école. Tu es censé être en train de préparer ton avenir. Tu es censé être en train d'étudier. Maintenant, tu vois tes camarades avec les iPhones. Toi, ça t'attire. Tu veux voir clair dedans. Tu vois clair. Tu veux savoir comment elles font pour avoir toutes ces choses. Alors que tu es conscient que vous êtes à l'école. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce moment, tu dois te mettre dans la tête qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez ces filles. Et si tu restes dans leur groupe, tu vas te corrompre. Du coup, pour éviter les histoires, il faut te séparer du groupe. Retire-toi de ce groupe et concentre-toi sur tes études. Ou bien si tu es en train d'apprendre un métier, concentre-toi sur ce que tu es en train de faire. Ouais. C'est le travail qu'appelle l'argent. C'est l'argent qui achète iPhone, qui achète la voiture, qui achète la maison. Ouais, c'est la clé du monde, comme on le dit. Tu auras tout. Tu auras même le trousseau des clés là. Si tu te concentres sur ton barat, sur tes études ou encore sur tes objectifs. En ce moment, il va falloir faire des sacrifices. Et c'est ce sacrifice que je t'ai dit. Il faut laisser passer, même si c'est iPhone 12 ou même si c'est iPhone 50 ou si tu n'as pas encore prêt pour acheter cela de tes propres mains, laisse ça passer. Moi, je n'avais pas d'iPhone. Je vois les amis avoir des iPhones. Ils peuvent venir au quartier tout en train de se bouffer. On dit, oh, c'est la bouteille, ils ont l'argent. Moi, il n'y avait rien. Et je les regardais. Pendant que je les regardais, je me disais, mais waouh, vraiment, ils ont de belles choses. Ils ont de belles choses, ils ont des choses de luxe. Mais moi, je n'ai rien. Ils font comment? De l'autre côté, ils savaient que aussi, bon, beaucoup étaient dans les trucs pas nets. Ouais. Mais est-ce que je devais les suivre pour avoir cela, pour avoir un iPhone rapide, 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 juste pour impressionner les regards des gens? Parce que c'est ça. La plupart des gens, c'est ça. Les yeux de l'homme. Les yeux de l'homme. Les yeux des gens. J'ai regardé ça et je me suis dit non, c'est pas possible. Il faut que je travaille et que je marche sur le bon chemin. Parce que c'est l'une des choses, on sait comment ça finit. Si les gens ne me parlent ça, c'est la folie, ou bien c'est la prison. Il y a trop de choses qui ne sont pas bonnes de ça. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai étudié pendant plusieurs années, plus de 10 ans, plus de 20 ans, on va dire. Et voilà, aujourd'hui, j'ai utilisé un iPhone pour filmer cette vidéo. Et ça ne me dit rien. Je me dis, mais à cause d'un simple portable, on voulait se battre. On voulait se battre comme ça. En fait, on voulait se tuer. On voulait sacrifier tout le monde. On voulait faire tout ce que tu as. Mais regardez, c'est tout ma main. Le nouveau iPhone même est sorti. Et lui, il est là. Il dit, mais attends, que se passe-t-il? Vanité de vanité, toutes tes vanités. Ceux derrière quoi vous courez là,
Et puis vous êtes pressé, pressé là. Quand vous allez avoir ça, vous allez regretter d'avoir vu ça. À un moment donné, vous allez dire, ah, quel moyen je suis passé pour avoir ça. Mais est-ce que ça valait vraiment la peine? Est-ce que ça valait vraiment la peine? Malheureusement, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Regardez. Là où vos yeux ne peuvent pas arriver, pardonnez, ne mettez pas vos yeux là-bas. Ne mettez pas vos yeux là-bas. Regardez aujourd'hui. Même si c'est une vidéo fake ou bien faite pour un montage, une chose est réelle. Il y a un sacrifice humain matin, midi et soir. Il faut faire très attention. Waouh, merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. C'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker, de commenter, de la partager à vos frères et sœurs aussi. Et si vous voulez faire un paiement bancaire pour soutenir Ignorance Reborn, dans la description, je trouve un lien où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Ignorance Reborn 3. Avec Ignorance Reborn, vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir Ignorance Reborn 3. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti.